chevilles. Attention, grand moment maintenant. Éric Poujade, concentré pour cette finale du championnat du monde. Est-il capable de faire mieux que le Chinois et que le Japonais? Ce serait formidable déjà. Oui, le grand Éric Poujade, gymnaste longiligne, très adapté morphologiquement à cet agrès. Regardez-le, on le suit. Thomas, boucle. Transport dorsal Chivado en Thomas. Nouvelle boucle en boucle. Il est bien sur ses appuis pour l'instant. Fait peur. Non, c'est le cheval qui fait du bruit. Bon ciseau. Voilà, combinaison très longue sur un arçon maintenant. C'est le mouvement le plus long des championnats du monde. Éric Poujade va-t-il tenir jusqu'au bout? Voilà. Voilà, bien Éric. Combinaison sur un arçon, pour l'instant pas de faute. Oh, une belle ligne aussi. Hein. Il continue, il empile. C'est bien. Attention à la sortie. Allez, ciseau d'abord. Il n'est pas encore au ciseau car son mouvement c'est est exceptionnellement c'est une long. Une minute. Voilà. Ah, la sortie. La sortie est manquée. Oh là 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 là. Il a oublié. Il a oublié. Et tellement l'émotion était grande. J'en dis des bêtises. Même les ciseaux sont passés. Je dis qu'ils ne sont plus passés. Je ne sais plus où j'en suis. Quand je vois Eric passer. Il a oublié la dernière. Les cinq dernières secondes de son mouvement. Et ça arrive. Il est un petit peu à la peine sur sa sortie. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est plus beau que les Japonais, plus beau que le Chinois qui est passé. Il a oublié. Alors je vais lui trouver une petite excuse sans vouloir le faire pour autant, parce qu'il a été opéré de l'épaule et il est un petit peu à la peine sur cette sortie depuis un certain temps. Attention. Et attention. Là, même pour cette finale, ce n'est pas passé. Il aurait pu... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire juste avant la sortie? Remonter? Non, il était prêt pour sa sortie, mais il aurait dû monter jusqu'à l'équilibre et faire une valse. Ah là 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 là. Pauvre Eric. Voilà, déçu. Enfin, écoutez, hein. Atlanta, c'est quand même dans moins de un an, comme dirait Henri Serrandour. Et sur Poujade, on peut encore imaginer qu'il soit parmi les meilleurs du monde. On vient de voir son entraîneur d'Antibes, Jean-Louis Bourbon. Jean-Louis Bourbon, le Chinois, lui, est rassuré. Oh là 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 là, ça va pénaliser combien? Au moins 20 centièmes. 9575, oui, c'est deux bons dixièmes qui s'envolent ici pour une sortie.